Saiyan. Ouais, voici Captain Fleur DLC. Plus connu sur le nom de Champion MMC. On se retrouve pour une nouvelle aventure sur... J'écris une histoire avec vous, avec la légende du Captain Fleur DLC. Et ouais. Quatrième vidéo. Je l'ai... Non, cinquième vidéo, mais quatrième avec l'histoire que je raconte. C'est vrai, la première vidéo, c'est juste... vouloir voir vos cités pis tout ça. Ça s'en vient, là! Ça s'en vient, vos cités. Vous allez voir après ce chapitre-là. Là, ça va commencer. Et certaines idées vont avoir commencé. Pas au début, mais plus tard, oui. Là, ça va commencer. Chapitre 4. Ça avance. Ça avance. Si vous voulez savoir qu'est-ce qui s'est passé, allez voir la vidéo précédente. Avec le chapitre 3. Si vous voulez savoir comment ça se termine, pourquoi ça commence de même. Ouais. Commençons. En jouant une musique, Captain Fleur de l'Essai fait apparaître quelque chose sur le plancher et devient de plus en plus lumineux. Puis une porte dans le plancher s'ouvre. Ok. J'ai peut-être mal écrit. Mais dans le fond... Quand la musique joue, une certaine musique précisément, quelque chose qui apparaît sur le plancher. Et c'est un dessin, dans le fond. Puis le dessin, il devient de plus en plus lumineux. Un passage secret comme dans la légende. Ok. J'espère que certaines personnes ont compris la référence du petit premier paragraphe. J'espère qu'il y en a qui l'ont compris, cette référence. Si vous l'avez pas compris, je vous le dirai pas. Vous allez le savoir plus tard. Et oui, seuls les pirates de légende possèdent cette clé, qui est une phrase musicale. Viens, allons voir le seigneur des pirates. Je vais peut-être reprendre le voyage et devenir une légende, même que je me demande pourquoi j'ai abandonné. Ouais, ça c'est moi qui lis comme ça. Vous savez, j'ai même plus besoin de le dire, vu que vous savez que je suis dyslexique, c'est quand même pour les nouveaux. Si j'ai de la misère à lire, c'est à cause de ma dyslexie. Surtout dans la dernière vidéo, avec Ni no Kuni, avec Johnny Rocher. Il n'y a rien de possible, si tu veux reprendre, vas-y. Il rentre dans la grotte. Trois petits points, parce que ça ne t'a pas tout expliqué les affaires. Si le monde comprenne la référence, tant mieux, vous comprenez pourquoi les trois petits points peut-être, ou sinon vous allez comprendre par la suite. Félix et Fleur de Lys se rend dans une salle secrète, qui est la salle de légende, dont il y a deux épaves de navire. Il y a un point, je sais. En rentrant, il y a une épave de navire dont on aurait dit qu'il est échoué en se faisant éventrer. Plus loin, un deuxième navire sombrant tout en restant à flot. Je m'en vais voir le seigneur des pirates. Ouais. Belle description de navire qui est en train de sombrer mais qui est toujours à flot. Ouais, belle description. Comme je dis, ceux qui connaissent la référence, c'est qu'est-ce que je fais dire. Aha! Captain Fleur, comme que l'on se retrouve. Je vois que tu as amené de la compagnie. C'est un fantôme? Eh oui, mon cher, je suis mort. Mais mon esprit reste toujours dans cette grotte. C'est pas une zéro chose, on dirait. Mon esprit reste toujours dans cette grotte en donnant uniquement des quêtes de légende, uniquement aux pirates de légende. Fleur de Lys, j'ai une lettre pour toi. T'as tenté de rajouter pour mettre plus d'ambiance. Cette lettre est adressée au capitaine Fleur de Lys. Avant d'ouvrir cette lettre, le seigneur des pirates va te donner une quête de légende qui se trouve... soit j'ai la misère, soit c'est moi qui écris mal. Capitaine Fleur de Lys, je quitte la région que j'aime tant
Mais il le faut. Il faut partir un jour. J'ai bien aimé être ton capitaine et t'avoir appris tout appris. Pour moi, tu étais mon meilleur matelot. Et maintenant, tu en es plus un, mais bien un capitaine. T'en es plus un, mais bien un capitaine. À moins qu'il y ait une virgule là. Peu importe, de toute façon, je corrige ça à la fin complètement. Comme un dicton le dit bien, l'élève dépasse son maître. Et toi, tu m'as dépassé. Avec brio. Honneur en étant le plus redoutable par toutes les pirates. Tu n'es pas un simple pirate de légende, car tu es une légende qui terrifie les mers. Tous les pirates n'espèrent pas te rencontrer. J'ai parlé de tout ça au Seigneur. Non, lui est tout simplement le premier pirate qui est devenu une légende. Mais toi, je te considère, et même le Seigneur confirme que tu es le pirate le plus redoutable de tous les temps. Alors, tu n'es pas qu'une simple légende. Je pensais avoir fait une faute, mais non, c'est bien écrit. Vu que je quitte définitivement cette si belle région bien secrète, je te confie mon héritage, car tu le mérites bien. J'ai moi-même fait la quête de légende avec deux livraisons, deux énigmes, deux cartes et le gros lot, deux coffres de légende. Bien sûr, j'ai eu de l'aide du Seigneur, mais au final, cela sera payant pour toi. Faites-le quand tu veux. Mais ne tente pas trop. Bonne chance, Capitaine Fleur de Lys. Capitaine Barbe d'Or est un bon pirate et fier de t'avoir eu dans son équipage. Disons qu'il ne regrette point ce choix de t'avoir accepté dans son équipage. Mais au contraire, il est fier. Okay. Toute bonne chose a une fin. Et Barbe d'Or est venu m'annoncer qu'il allait quitter la région définitivement. Il ne m'a jamais donné de raison. Il quitte la région comme tu as fait toi aussi il y a de cela plusieurs années déjà. Le temps passe tellement vite. Pour moi, le temps n'a plus d'importance. Car je vois toutes les générations de pirates de légende et je reste ici pour l'éternité. Au moins, je suis encore utile à donner des quêtes de légende. Je sais que tu ne viens pas de la région, mais bien de l'île des pirates. Comment je le sais? Le vaisseau qui est échoué sur cette île, c'est mon vaisseau. Capitaine Fleur de Lys et Félix ont toutes deux réagi. Comment ça peut être possible alors que tu n'as jamais quitté cette région? Bien observé, Lys. Mais la vérité, c'est que j'étais dans la région secrète et j'ai pogné une tempête, mais une très grosse tempête. Cela a duré 2 jours en étant désorienté et une visibilité nulle. Nous faisions pas nous finissons par distinguer quelque chose, mais en apercevant, il était déjà trop tard. Et nous heurtons brutalement sur quelque chose. Au début, nous pensions que c'était un rocher, mais en regardant bien, nous avons bien compris que nous avons échoué sur une île. Je donne l'heure d'attendre que la tempête passe pour faire quelque chose. Une fois la tempête passée, le jour suivant, nous remarquons que le navire n'a pas échoué sur le bord de l'île, mais bien sur l'île, vu l'intensité de la tempête. Je descends du navire et je remarque que le navire est trop endommagé pour reprendre la mer. Alors, j'ai donné l'ordre de s'établir sur l'île dont j'ai nommé l'île des pirates. Une fois la ville des pirates construite, et la taverne construite, j'ai construit un passage secret qui se rend à cette salle comme toutes les tavernes de chaque avant-poste.
Bien sûr, on vient ici en sirène, alors que mon équipage était sur l'île des pirates. Moi, je venais ici et je retournais dans la région. Personne ne connaît l'existence du passage secret autre que moi et les gardiens de cette salle. Par contre, je suis mort sur l'île des pirates. Mais mon esprit est venu jusqu'ici. Avant qu'on trouve sur l'île, cela n'a pas pris de temps pour devenir un pirate de légende, dont le premier pirate de légende. Après cela, on m'a donné la responsabilité de donner des quêtes de légende à tous ceux qui auraient atteint le titre de pirate de légende. Un peu avant, c'est AVANT, si je me trompe pas, maman, tous les pirates de l'époque sont venus me voir et me proclamer seigneur des pirates pour que, après maman, je revienne donner des quêtes. J'ai donné des quêtes de légende à tous les pirates de légende et je dis d'en faire bon usage. Je quitte la région pour revenir sur l'île des pirates et mourir sur cette île. Mais je suis revenu dans la salle des légendes. Au juste, ces deux épaves que vous voyez, ce sont mes navires. Comment ils sont arrivés là? Et comment cette salle et pourquoi elle a été faite? Ah, ça, c'est un secret. Capitaine Fleur de Lys, je te dis bonne chance et reviens me voir de temps en temps. À la prochaine. Fleur de Lys retourne à l'île pour voir ce qui en est de mon navire. Une fois rendu à la cale, le travail est interrompu pour la nuit. La personne qui s'occupe de la cale me voit et vient me rejoindre. Carly. Calry. Pas Carly, mais Calry. Cal, avec lui. Ah, c'est un certain jeu de mots. Mais ça l'aide. Captain Fleurus, ton navire est en voie de réparation. Mais après toutes ces années, la coque est endommagée. Ce n'est pas dramatique, mais ton futur navire ne sera pas une dépense. Car après les réparations, il va en rester un peu plus longtemps que supposé. Que veux-tu dire? S'il ne serait pas en cale sèche et qu'il resterait dans cet état, sans accroc, il peut naviguer encore un petit bout. Mais comme nous sommes des pirates, alors il peut durer une bataille ou deux, pas plus. Après la réparation, la coque sera plus solide et va pouvoir tenir quelques batailles de plus, du moins, je l'espère. Merci. De rien. Ça me fait plaisir. Avec tout ton équipage au milieu, cela avance vite et il sera terminé dans les délais. Ne t'inquiète pas pour les deux personnes qui ne travaillent pas, car c'est les filles. Ah, ok, c'est correct. En parlant de eux, Captain Nature m'a dit de te dire qu'elle t'attend dans son navire. Et elle se demandait où que tu étais. L'endroit que je suis allé est un secret, sinon merci et j'y vais de ce pas. Bonne nuit, Captain. Bonne nuit à toi, Carly. Calry. Je me lance tout le temps. Fleur de Lys se dirige vers le navire du Capitaine Nature. J'embarque sur le navire de Nature et je vais à sa cabine et je cogne. Qui est là? C'est Fleur de Lys. Tu peux entrer. J'ouvre la porte. Serena et Molly est là, nue, avec la Capitaine Nature, dont elle est en robe. Elle vient me voir. Salut, capitaine, je suis content que tu sois arrivé car je me demandais où tu étais passé. J'étais à un endroit secret et le chemin pour s'y rendre et revenir a pris un peu plus de temps. Ah bon, c'est peut-être secret, mais peu importe où tu es allé car il y a quelque chose à faire avec toi. Elle enlève sa robe. Oups, j'ai oublié quelque chose. Viens vers moi et tout. Glisse, va vers nature et trois petits points.
on arrête là. Le jour suivant, je me réveille avec Annature, Molly et Serena. Aucun d'entre nous sommes vêtus. Les filles mettent une robe et fleur de lys se met normalement et prévoient se promener. L'équipage constitué de Capitaine Fleur de lys, Nature, Barbe d'Érable et la moustache ne peut point prendre le large avant demain, car il doit attendre 2 jours avant de commencer la quête. Nature propose à Lisa s'il veut bien se promener et il accepte. Ils vont se promener sur l'île, ils vont voir le navire de Lisa juste avant de s'y rendre. Nature propose quelque chose. Mon cher capitaine Fleur de lys, avant d'aller voir où sont rendus les travaux, j'aurais une proposition à te faire. Quelle est cette proposition, capitaine Nature? Je te propose de laisser ton navire en cale sèche encore un petit moment pour qu'il soit bien réparé et pendant ce temps-là, tu viens sur mon navire avec les filles, bien sûr, pour faire la quête. Et je te laisse diriger mon équipage, car j'ai confiance en toi, qui est le pirate le plus redoutable. D'accord, j'accepte ta proposition. Mais juste avant, j'aimerais demander au maire si nous avons le droit. Nous pouvons faire cela, vu que tu en parles, je me le demande aussi. D'accord, j'accepte ta proposition. Mais juste avant, j'aimerais demander au maire si nous avons le droit. L'écart va voir le maire, mais il n'est pas à son bureau. Alors, il va voir la progression du navire de l'essai. En arrivant à la cale, le maire est sur place et parle à Calerie. Il se dirige vers Calerie et le maire. Peut-être à une certaine chose que je retombe dessus aussi pour le produit final. Capitaine Fleur de l'essai. Monsieur le maire, je vois que ton navire est en cale sèche, effectivement. Je doute fort que le navire soit prêt demain. Effectivement, le navire est un peu plus endommagé que je pensais. Ça va prendre jusqu'à une semaine, voire deux, pour terminer le navire. Justement, je venais pour une question pour vous, monsieur le maire. Captain Nature m'a proposé de l'accompagner sur son navire. Bien que le navire n'est pas en état, je vous laisse partir avec qui tu veux. Mais par contre, avec une restriction. Il va falloir amener avec toi le commandant du navire, celui qui prend les décisions à ta place, à 2 personnes de ton équipage, de ton choix. Et 2 personnes, j'ai oublié le « et ». C'est Kira qui prend les décisions quand ce n'est pas moi qui les donne. Et Serena et Molly seront les 2 personnes de mon équipage qui viendront avec moi. Kira, c'est parfait. Et pour les 2 autres, c'est qui? Elles sont là. C'est 2 filles? Eh oui. Je n'ai jamais dit des filles. Tu as bien dit 2 personnes de mon équipage de mon choix et elles sont de mon équipage. C'est vrai. Nous sommes dans l'équipage du capitaine Fleur de lys et non capitaine Nature. Ok, c'est une des filles qui parle. Nous avons rencontré capitaine Nature uniquement une fois arrivé ici et pas avant. Est-ce que c'est Nature ou bien vous vous êtes toutes mis en accord pour faire passer ceci? Alors, qui est dans ton équipage? Effectivement, ce qu'elle dit est vrai. Au contraire, Capitaine Fleur de lys me les a présentés. Demandez à Capitaine de Moustache. Nous sommes rencontrés en ville et nous avons fait un petit convoi jusqu'ici. Et j'ai entendu Serena jouer de la trompette. Je suis allé la voir et la proposer de venir dans mon équipage. Et elle a accepté. Molly, elle a suivi vu qu'elle. Et il manque un et son ami, et qu'elle ne voulait pas se perdre de vue. Un peu trop précis, mais tu me sens honnête.
Alors, j'accepte. Je vais aller voir Capitaine La Moustache. Et si il confirme ce que tu dis, je vais venir te voir. Sinon, j'aurai contrainte à refuser Serena et Molly dans ton équipage. D'accord, demain. À demain. Demain, retourne chez lui, faire le seul appel qui rend pour le rejoindre. Et Kadri va surveiller l'équipage du Capitaine Fleur de Lys durant son absence. Nature, Fleur de Lys, Serena, Molly et Kira se dirigent vers le navire du Capitaine Nature. Une fois rendu au navire, Capitaine Nature annonce une nouvelle. Il y a quelque chose à vous mentionner. Nous allons partir, mais Fleur de Lys sera le capitaine pour ce voyage. Moi, je suis toujours capitaine. Fleur de Lys passe avant moi, vu que l'on a plus de chance avec lui au commandement. Kieran, ici présent, est le chef de l'équipage du navire de Lys. Alors, je donne l'autorisation de prendre les décisions durant notre absence, et même si nous sommes là. De toute façon, rien ne change, car il y a juste des ajouts temporaires. Et c'est ce qui termine cette vidéo. Et c'est ce quatrième chapitre en même temps. Dans la prochaine vidéo, oui, il quitte le port de l'île des pirates. Enfin, c'est confirmé. C'est une histoire, ça peut être long avant que ça, la procédure. Et le voilà, la preuve. 1, 2, 4, 6, 8 000 mots, voire 9 000. On nous sommes arrivés à ce point-là. Et oui. Alors pour ça, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. N'hésitez pas à rejoindre mon équipage sur le navire de l'île. Vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, Twitter ou encore les visiter mon site internet dont le lien est dans la bannière de ma chaîne YouTube. Vous pouvez toujours aussi aller sur mon serveur Discord dont tout le monde est bienvenu. Alors pour ça, je vous dis bonne journée, bonne soirée. On se retrouve pour une nouvelle aventure sur J'écris une histoire avec vous. Avec l'histoire, la légende du Capitaine Fleur de l'île. Alors pour ça, je vous dis merci à tous.